Eh, vous pourriez sûrement fabriquer quelque chose de brillant avec ce récup en plastique. Pendant la nuit, vous avez l'occasion de passer. Il vous attendait. S'emparer de ce fort garantira la paix entre les tribus. Vous avez intérêt à vous préparer. Le fort de la tribu sera bien plus difficile à prendre que leurs avant-postes. L'idée, c'est de vous balancer par-dessus le mur avec un trébuchoir. Mais d'abord, il veut que vous mettiez un casque. Sécurité avant tout. Vous n'avez qu'à chercher un peu. Ça ne doit pas être bien difficile. Et c'est taille unique, de toute façon. Regardez là-haut, un guettoir. Très utile pour observer le monde et voir si le monde vous observe. Ça alors, un drink-drink d'époque. Un machibidule qui servait à envoyer un drink signal au très loin. Voyons s'il marche encore. Bien ajusté. Les ennemis tombent comme des mouches. L'aube ne devrait pas tarder, car il fait extrêmement sombre. On dirait qu'il faut actionner les touches dans le bon ordre pour faire fonctionner le drink-drink. La technologie d'hier est encore là aujourd'hui, même si son message est dépassé. Chapeau.
un coup précis. On a découvert du caoutchouc là-bas. Il fait étonnamment sombre dehors. Il est temps de libérer la tribu rivale. Limitez les dégâts en vous frayant un chemin vers leur Sifu. Explique que c'est bien beau de vous arranger pour que l'assaut du fort rival aille dans votre sens, mais qu'il faut prendre en compte les dommages collatéraux. C'est comme ça qu'on allume un feu. La sèche-herbe semble pouvoir prendre feu facilement. Une étincelle suffit pour démarrer un feu. Il brûle plus vivement que la lumière. Chaque jour est une nouvelle chance d'accomplir votre destin.
Ça ne suffit pas. Il vous faut davantage de récup. Un bélier semble parfaitement adapté pour passer la porte. Parie qu'il suffit de frapper à la porte pour qu'elle s'ouvre. Ça va cogner. La tribu Netra accorde de la valeur à la liberté et s'évertue à la protéger. Elle souhaite que chaque tribu garde son indépendance et pense que les unifier est le seul moyen de survivre. C'était ce qu'il espérait. Pourquoi faire la guerre quand on pourrait faire la paix? Autant ne pas se battre pour des queues de cerises. Il pense qu'être sympathique ne suffit pas quand on ne fait que se battre. Il refuse de vous soutenir. Il ne se fera pas charmer aussi facilement. Vous allez devoir vous battre. Le Sifu rival est vaincu. À vous de décider de l'avenir de sa tribu. Vous êtes libre de choisir, mais ce choix aura des conséquences. Il vous laissera décider du sort du Sifu rival, mais vous suggère de faire preuve de clémence. Faites le bien, et la vie vous le rendra. Pense que c'est une bonne décision que d'offrir son soutien à autrui lorsqu'il est dans le besoin. De plus, vous forgez votre propre destinée. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, on ne revient jamais en arrière. Épaule contre épaule, ils feront face, jusqu'à ce que l'ordre et la stabilité soient réinstaurés. Il a entendu dire que les autres tribus ont compris que personne ne gagnera cette guerre. L'antagonisme est futile. Elles pensent toutes trois que votre tribu est devenue assez puissante pour les unifier. Manifestement, vos efforts ont payé. Une lueur d'espoir se profile à l'horizon. Les tribus sont lasses de la guerre et se rappelleront à qui elles doivent la paix, que vous la déclariez maintenant ou plus tard. Donc, voulez-vous arrêter la guerre maintenant ou poursuivre la croisade? Ils partagent votre avis. Mieux vaut conserver vos forces pour quelque chose d'important.
C'est la chaîne à crochet des Netra. En montagne, la moindre chute pourrait être fatale. Mettez-vous en route, avant que cette journée ne vous glisse entre les doigts. Le chant d'Yerp, où l'écho de vos actes résonne plus fort que nulle part ailleurs. Sauf, voici l'arbre de vie, l'incarnation même du précepte selon lequel tous les êtres descendent d'un ancêtre commun. Les branches forment des espèces à part entière, et les pousses passées constituent la succession de celles qui se sont éteintes. Les immenses branches de l'arbre produisaient autrefois leurs propres rameaux. Un lien entre passé, présent et futur. La représentation de toutes les espèces vivantes et éteintes avec ses merveilleuses ramifications infinies. Nous ne sommes que l'évolution de ceux qui nous ont précédés. Quelle belle journée pour explorer le monde.
Voyons voir. C'est un endroit bien caché, juste en dessous de l'au-dessus. Le fossile n'en revient pas du chemin que vous avez parcouru, mais il reste encore beaucoup à faire. La fin du monde reste gravée dans l'esprit des gens. Vous avez emprunté une voie vous octroyant le pouvoir de détruire ou de sauver tout le monde. Reste à savoir ce que vous ferez d'une telle responsabilité. Il peut sentir que votre cœur bat avec ardeur et reconnaît que la meilleure façon de savoir qui on est, c'est de se consacrer à servir autrui. Pense qu'il est important de se souvenir de qui l'on est et d'où l'on vient. Un être qui n'a pas conscience de son histoire et de ses origines est tel un arbre sans racines. Il promet d'être là pour vous. Si vous ne savez plus où vous en êtes, allez lui parler sous l'arbre. C'est toi, t'as pas qu'il a. Le fossile dit qu'il y a un temps pour tout, et qu'à présent, il est inutile de ressasser le passé, car il n'est plus. Vous devriez penser au présent, car c'est là que vous vous trouvez. Il est temps pour vous de définir vos priorités, comme celui qui termine ce qu'il a commencé. Si vous continuez à faire le bien, alors le bien vous suivra. Si le monde prend vraiment fin, il n'y aura nulle part où aller. Il s'est donc préparé au pire et mentionne quelque chose qu'il appelle l'arche. Il espère que vous avez raison. L'aventure continue quoi qu'il arrive, il l'a bien compris. Mais il préférerait que l'arbre survive. Le fossile dit qu'il n'y a aucune archive précise qui retrace la succession d'événements ayant changé le cours de l'histoire et mis le monde à mal. Il a trouvé des preuves sur l'arche, un vestige d'une crise de plusieurs décennies de contamination ayant imprégné le sol et brisé son essence. La contamination a perturbé ce que l'on appelle Ki énergie, la force vitale qui alimente toute chose vivante ou inanimée. On lui a raconté que le fléau a affecté la génétique de tous les êtres et inversé notre perception de la normalité. Seuls ceux qui se sont adaptés ont évité l'extinction, ce qui prouve qu'il était possible de survivre et de se renouveler. Il comprend votre curiosité pour le vaisseau qui repose au pied de l'arbre. Il précise qu'il a surgi de terre en même temps que tout ce pétrole. L'arche date d'il y a bien longtemps. Et maintenant, après avoir étudié pendant des années les manuels qui s'y trouvaient, il pense avoir compris son fonctionnement. Il y a encore 4 places libres à bord de l'arche. Il espère que vous adjoindrez sagesse à votre compassion lorsque vous choisirez qui sauver si le monde est détruit. Ces places resteront libres et vous pouvez inviter jusqu'à 4 autres personnes à monter avec vous dans l'arche en cas de cataclysme. Le fossile dit que vous n'avez pas chômé à ce qu'il a entendu. Il dit qu'il vous est reconnaissant pour tout ce que vous avez fait. Mais hélas, il a reçu un message urgent de son ami Glop qui vit au sud-est.
Le fossile dit qu'il n'est pas certain de vos intentions, mais qu'il espère que vous aiderez Glop. Il dit qu'il vous indiquera la direction générale, mais que c'est à vous qu'il incombe de trouver Glop et de lui fournir ce dont il a besoin. Ça, c'est le bruit de la fin du monde qui approche. Les funestes prémonitions du fossile sont fondées. Il faut faire quelque chose au sujet de ce porc-épine. Le fossile dit que Glop s'inquiète depuis que le mange-monde du sud-est a redoublé d'activité. Il explique que Glop travaille sur un vaisseau capable de surfer sur le glou et d'atteindre le mange-monde, mais qu'il a besoin d'aide pour le terminer. Le fossile vous suggère de partir vers le sud-est au plus tôt et de voir ce que vous pouvez faire pour lui. Il se demande ce que vous avez en tête. Vous dit à la revoyure. Voyons voir. Tout n'est pas de votre côté ici.
Le temps passe. Tâchez d'agir tant que vous le pouvez encore. Voyons voir. Dis que c'est bon de vous revoir et qu'il s'appelle Glop. Vous vous souvenez peut-être de lui. Il a tenté de vous apprendre à nager il y a bien longtemps. Glop dit qu'enfant déjà, vous attachiez de l'importance à la droiture. Même à distance, il sent que c'est toujours le cas. Glop dit que les souvenirs s'effacent à une vitesse folle. Nous sommes tous la somme de nos fragments de souvenirs, et notre mémoire collective est la seule qui soit capable de raconter toute l'histoire. Il sait qu'on se souvient aisément de lui. Des comme lui, il n'y en a pas des masses. Il comprend que vous soyez de retour pour vous mesurer à Lupa Lupin. C'est la destinée que vous avez portée en vous toutes ces années. Il dit que la tragédie n'a pas eu raison de votre bienveillance, qu'elle est toujours là, aussi vive que lors de votre enfance. L'heure est venue de vous souvenir et de passer aux actes. Votre vie n'appartient qu'à vous. Ne vous contentez pas de l'histoire qu'on vous raconte. Il pense que c'est la bonne décision. Vous ne pourrez connaître la paix qu'à travers le pardon. La lumière chasse immédiatement les ténèbres. C'est vraiment nécessaire, toute cette lumière. Exactement, il nous faut toute la lumière. Oh, on pourrait quand même garder un peu de place pour les ténèbres. Que de la lumière, partout. Salut. A du mal à croire que le monde va s'en tirer et se demande les conséquences que ça aura sur le glou. Merci d'avoir fait tout ce que vous avez pu pour déglouer la saline. Je pense que vous allez bien avec les myriades. Vous êtes comme les rayons du soleil sur la saline. Enfin, de retour au glou. C'est qu'hier est déjà oublié, que c'est ce qu'on fait aujourd'hui et demain qui compte. Vous devez mettre le passé de côté, au moins pour l'instant. Il ne peut pas quitter la station Batiscaf, car la pollution a entamé l'isolation de sa combinaison. Vous devez donc rassembler assez de récup pour répabidouiller son Globski en commençant par la vieille caisse à l'extérieur. Vous devriez revenir quand vous aurez assez de récup en poche. Si vous voulez renforcer le Globski avant d'affronter le porc qui pouffe, il faudra faire vite. Il ne risque pas de couler, mais il a besoin d'amélioration pour pouvoir naviguer sur le glou épais et atteindre le porc qui pouffe. Où que vous alliez, l'adversité vous attendra au tournant.
profiter de cette aube nouvelle. L'heure est venue, vous devez aligner les interrupteurs pour les faire correspondre. Bien, le courant électrique est suffisant pour initialiser les déclencheurs et activer le réseau. Il a finalisé le Globski. Il faudra se passer de blindage, mais vous aurez un grappin, un filet de collecte et surtout un moteur assez puissant pour fendre le glou encore plus au large. Tout toi ? Des débris flottent un peu partout sur la saline. Vous aurez besoin d'un appareil adéquat pour vous frayer un chemin ou tout simplement pour remorquer des trucs.
petit. Globe dit que Gizmo a conçu un canon pour le Globski, mais qu'il tire des coins-coins en guise de boulet. Ces machins qui font quick sauront détourner la triple attention du Porky-Pouf le temps que vous preniez position. Le meilleur moyen d'attraper des coins-coins, c'est encore d'aller voir Gloops. Il connaît l'archipel des Salines comme sa poche et sait où ces bestioles aiment faire trempette. Ce qui veut dire que vous aurez l'immense honneur d'aller voir Gloops au frais l'esquif. Il se fera un plaisir de vous dire où vous pourrez trouver des coins-coins. Il ne peut pas deviner l'invisible. Et Gloops n'est pas bien bavard. Il aime rester dans son coin à siroter.